comment est né l'univers? Il serait né il y a 13,7 milliards d'années dans ce qu'on appelle le Big Bang. Une énorme explosion, si on veut, d'une très forte densité d'énergie qui est entrée dans une phase inflationniste exponentielle et qui a donné l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé avant? Là, on n'en a aucune idée et peut-être même que la question n'a pas de sens parce qu'il se trouve que peut-être que le temps et l'espace ont été créés à ce moment-là. Et donc l'idée de avant la création du temps, elle est difficile à définir. Alors qu'est-ce que c'est que dans ce cas le Big Bang? On imagine ça comme une très forte concentration d'énergie dans un endroit très 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 petit. Et à partir de là, tout l'univers se serait développé. Ça aurait commencé par une inflation phénoménale. Tellement chaud qu'elles sont en excitation permanente, elles n'arrivent pas à former de la matière encore. Il va falloir attendre 380 000 ans avant qu'elles commencent à s'agglomérer et commencent à produire l'univers tel qu'on le connaît. Alors, au fil du temps, on s'est mis à découvrir tellement de particules qu'on a essayé de les classer pour y mettre un peu d'ordre. Et pour faire cela, on a pris quelques particules élémentaires, les briques de la base de la construction de l'univers, et en les assemblant ensemble de différentes façons, on peut construire toutes ces particules qu'on a pu observer et prédire l'existence de nouvelles particules. Alors, ces briques élémentaires, on a quelques particules de matière, quelques particules d'interaction entre les particules de matière pour donner les différentes particules. Et enfin, le boson de Higgs qui permet de donner une masse à certaines de ces particules. Alors, toutes nos particules élémentaires, elles vont interagir entre elles pour former toute la matière qui nous entoure. Il y a quatre interactions fondamentales. D'abord, l'interaction gravitationnelle qui va nous donner les grandes structures de l'univers. Et ensuite, des interactions qui vont avoir toutes les propriétés pour l'infiniment petit. On a l'interaction électromagnétique, qui nous fait l'électricité, l'électronique, la chimie. L'interaction forte, qui est la glue entre les particules qui vont former, par exemple, les protons ou les neutrons, ou les noyaux de nos atomes. Et enfin, l'interaction faible, qui est responsable de la radioactivité ou de des réactions thermonucléaires à l'intérieur des étoiles. L'antimatière possède des charges différentes, c'est-à-dire que les charges de particules de matière sont opposées aux particules ordinaires. Le contact de la matière et de l'antimatière provoque une annihilation qui libère de l'énergie.
Lorsqu'on regarde dans l'univers, on se rend compte que le comportement des étoiles dans les galaxies, par exemple, ne correspond pas exactement à la masse qu'on croit qu'elles ont. On a donc supposé qu'il existait plus de masse que celle qu'on voit, et comme c'était une masse qu'on ne voyait pas, on l'a appelée la matière noire. Cette façon indirecte de prédire l'existence de quelque chose, c'est aussi ce qu'on utilise par exemple dans nos collisionneurs. Leurs produits de désintégration vont interagir avec le détecteur, on va observer ça, et grâce à ça, on va deviner ce qui a pu se passer au moment de la collision, qui, elle, reste totalement invisible. La particularité de la science, c'est qu'elle peut redémontrer au cours du temps. Et en fait, c'est marrant parce que Démocrite, il s'est trompé. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, il a émis une théorie comme quoi l'atome était indivisible. Et Rutherford, en 1908, bon, il lui a répondu un peu tard, mais il lui a dit « En fait, tu te trompes. L'atome, c'est un noyau et c'est des électrons. » En 1917, Einstein créa son premier modèle cosmologique basé sur sa théorie de la relativité générale. C'est l'univers d'Einstein. Il est d'une forme hypersphérique et fermée. Cette théorie fut toutefois réfutée à la fin des années 1920 par la découverte de l'effet Doppler par Edwin Hubble qui montra que l'univers est en constante expansion et qu'il est donc infini. Einstein accepta son erreur. Au milieu du XXe siècle, on a cherché à montrer que la masse existe. Certains scientifiques comme Peter Higgs en 1964 ont émis l'hypothèse qu'une particule existait. Ce n'est qu'en 2012 que cette particule a été montrée expérimentalement à l'aide d'un accélérateur de particules du CERN. On a vu l'histoire de l'univers depuis sa naissance, il y a 13,7 milliards d'années, jusqu'au temps présent. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? On n'en sait pas grand-chose, évidemment, on ne peut pas le prédire, mais on peut faire différents scénarios. L'un serait une expansion infinie. L'univers deviendrait alors très sombre et très froid, sans grand intérêt. Ça pourrait être une expansion ralentie, il ne serait pas beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Ou il pourrait aussi s'effondrer sur lui-même. Et ça, c'est le scénario qu'on appelle le Big Crunch, où l'univers retrouve un état assez proche finalement de celui du Big Bang au tout début, une très forte concentration d'énergie. Mais les observations nous disent que l'univers a tendance à augmenter et ne va a priori pas s'effondrer sur lui-même, ce qui nous laisse prédire en fait quelque chose de pas très drôle, un univers froid et sombre.